Salut à tous, amis gamers et gamers, on se retrouve pour un épisode 3 du Mon Let's Play sur Assassin's Creed Unity, qui est une série qui, je pense, j'espère, va marcher, faire vous plaire, surtout vous faire partager un peu ma découverte de ce jeu avec vous. Je suis un grand fan de la série des Assassin's Creed, et donc je trouvais ça normal de vous faire partager un peu avec vous cette superbe jeu là. Je m'attendais à être un beau jeu, mais franchement, il est magnifique. Hein. Donc, encore une fois, j'ai rechangé mes réglages son. Il devait être mieux normalement sur la vidéo, sur l'épisode 2. Il devrait mettre peut-être encore mieux sur l'épisode 3. Enfin, je suis encore loin d'avoir atteint le niveau sonore que je voulais. Donc voilà, j'ai changé un peu le. J'ai enlevé un HUD qui était en haut à droite. C'est encore plus beau à regarder. Moi, je suis pas un habitué, donc je peux pas. Il y a un coffre. Je par quelqu'un le coffre. C'est joli ce que j'ai fait là. Non. Le coffre est protégé. Hein. Alors, si j'étais Ezio, j'aurais fait un double assassinat aérien. Je suis pas Ezio. Ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux. On va aller un peu inspecter la zone un peu avant de. Espèce de jardin et le coffre est là en fait. Par ici, si je. Ah, moi, que ce soit à l'intérieur. Ah, tu pourrais faire ton pire, sale lâche! Viens donc, je te ferai passer l'envie de courir! J'ai des questions à te poser! Ouais, bah, moi j'ai les réponses à te donner, si ça peut t'aider. Hein. Trois bocs en duel! Ça fait longtemps qu'on n'a pas pendu personne! J'ai une. Ah, le sang, génial! Ah, je suis en train de crever! Oh la vache! Ah, ouais, d'accord, ouais. Ah, ouais, je me suis bien fait niquer là. Ah, c'est bien le niveau de l'IA a quand même été bien amélioré par rapport au premier épisode, au précédent Assassin's Creed. C'est vrai que c'était assez facile. Il y avait la vie qui remontait, mais. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Hé, c'est distrayant. Je crois qu'il y a vraiment du monde dans les rues. Saint-Louis, d'accord, est à Saint-Louis. J'ai pas l'impression qu'il y a une entrée. Attendez. Bon, monsieur. Vous souhaitiez me parler ? J'espère. On dirige la France, mais c'est un accélérateur. C'est insensé. Les gens deviennent fous. Je vous imagine. C'est son blanc avec le Charles Alexandre de Brandebourg. Le pauvre. Des potions, mais. Ah, c'est bien, il y a le tour des potions. Ça, c'est... Quelle ville de fous. Tu es timide? Eh, je veux dégainer là! Notre ami. C'est moi dégainé! Maudit allez crétin. On ne va pas déranger! T'as une règle de hache, on déconne? Vache! Ah ouais, vénère le truc quand même! Vache! Ok, je suis pas opérationnel au niveau des combats, mais c'est pas grave, je vais m'entraîner. Si rien n'est pas. C'était un espace qui est un peu serré pour cela. Je suis encore assez bon pour pouvoir venir dans un espace aussi serré. Pas de lame secrète. Je vais pas grand chose. On va recommencer, hein. Qu'est-ce que tu veux? Détends, scélérat! J'ai simplement un mot à te dire, imbécile!
Ta-ta-ta-ta. Je regrette l'époque de la roue, tu sais. Si on te clouait. Merde. Mais Jesse va. La vache. Oh, le mec qui m'a mis dans la gueule. Ah, oh, c'est génial. Ok, je m'améliore, mais c'est bon encore ça. Après, il y a une arme géniale, le mec. Putain de hache, il me fout des coups de hache. Ah là 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 là, bon, il recommence. Soyez les sous, c'est beau. Du coup, c'est moi, vous vous souvenez de moi. Viens ici, toi. J'arrive, une seconde, j'arrive pas à descendre. J'ai envie de te faire rosser. Où est-ce que tu vas, toi? Je peux pas le tuer si... Je connais une centaine de manières. Tu viens te faire casser le nez. Et plus si affinité. Vache. Je vois plus rien. Remercie ton étoile. Merde, je veux pas voir. Lui, il est costaud. Lui, il m'a... Attendez. Oh non, mais c'est une barre de vie là. Ah mais non, en fait, la barre de vie, là. Ok. Vous avez vu, j'en ai dégommé deux là, à chaque fois je m'améliore. Ça, je vais finir par l'avoir, c'est enfoiré là. Ok, les deux, c'est bon, j'arrive à peu près à comment... j'ai réussi à les gérer, par contre le troisième avec sa coup de hache là. Putain, la hache. Il est branlé le mec. Coucou, c'est moi. Je suis de retour. Tu t'en vas? Pourquoi? On devrait l'enfermer, lui faire avaler la clé, j'ai rien. Bon, allez, là, je peux pas te. Hors d'ici, avorton! C'est toi, tu veux que je transforme tes oui, os? Oui, transforme mes os angelés, là, merde! Voilà, on se met dans un endroit où il y a plus de place pour se battre. Quoi? Il y a un qui m'a buté ou quoi? Merde, c'est passé quoi là? Putain, il intéresse qu'il soit cool ce coffre. Hein. J'imagine que c'est dangereux. Je vous imagine bien. Je vais y arriver, je vous dis. Tu veux que je vienne te mettre en pièces, crétin? Toi, oui, toi, arrête-toi! Il n'a pas sa place en peinture. On va être assez malin pour. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Le coffre. Ah, je l'ai eu. Ouais, quand on est pas suffisamment fort, il faut pouvoir être brisé. Il ne faut pas forcément la meilleure des méthodes, donc il faut ruser après. Allons à la mission suivante. C'est bon, je suis mes assaillants. Il y a un monde dans ces rues, c'est fou, hein. C'est dingue. Un autre coffre là. Pas le plus tout à l'heure. Ah, il est tout au-dessus là. Attends, je suis con, on n'est pas encore à Paris là, on doit être dans une ville de province, un truc comme ça. Le gars a l'air de dire que la bonne femme, là qu'on a recrutée au début, apparemment on est plutôt chaud dessus et apparemment elle serait dans le coin. Le mec apparemment est pas chaud du tout pour que je la vois. C'est la même quelqu'un ça. C'est là où j'étais tout à l'heure. Ah, mais c'est ma maison ça en fait, d'accord. Non? Si, je ne sais pas. En bas. Ah yes. Cette espèce de grande barre là, c'est ma barre de vie. C'est très bien. Apparemment, je gagne de la thune, mais c'est pas marqué. Je sais pas où c'est marqué. Voilà.
peux pas. Je peux dégainer ou pas? Non. Merci. S'il continue, il va se rompre le. Il y a un coffre vert là. Un coffre vert et un voyage rapide. Là, il y a un autre coffre. Ah, moi, je suis le mec qui veut avoir les 100% et les 3 platines avec. Donc, du coup, je cherche. Et. Ah, yes. Et en fait, j'ai eu le 3 platines sur un autre jeu. Regarde ça. Ah, merde. Merde. Tire, la vache. Ouh. Aller chez les gens et ressortir, c'est magnifique. Une cachette. Je me suis un peu éloigné de mon mulet là, pour le coffre. J'ai pas un personnage, j'ai pas vraiment le personnage de base que je suis au début, hein. C'est comme dans Assassin's Creed 2. Si vous n'avez pas joué Assassin's Creed 2 sur PS3, vous pouvez l'avoir sur PS4, il y a un jeu, il y a Assassin's Creed Collection qui est sorti pour PlayStation 4 et sûrement Xbox One, et donc ça j'en ai un peu rien à foutre. C'est en fait tous les Assassin's Creed réunis en un CD quoi. Donc Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelation. Donc toute la trilogie avec Ezio, Italie et la Fidèle City ensemble. Du coup, Ardon. C'est pas un barbier, je sais pas. Ça paierait à Phoenix. Hein. Les petits détails qui font. Il casse la vie d'ailleurs. Attendez. J'entends le brillant du coffre. Le coffre brillé. Ah, vous voilà. C'est pas... Vous n'êtes pas... Non, je ne suis pas. Non, effectivement, je ne suis pas. Ne faites pas attention, je récupère les babioles. Hein, je vous les ramène. J'ai bien envie d'appeler la garde. Oh, il y a un flingue ou quoi là? Il y a une pointée du doigt ou une pointée avec un flingue? De fluidité quand même, je trouve. Vous voyez toute cette zone, ma mini-map là, qui ressemble franchement à celle de GTA V. N'est pas affiché parce qu'il faut que je trouve un haut lieu, il faut que je trouve un lieu qui soit assez haut placé pour faire un. Ah bah voilà, justement voilà. Je vais vous montrer comment. Dans toute la Assassin's Creed, c'est comme ça que ça marche, hein, que ça, c'était comme ça dans le premier. Il faut en fait monter sur le bâtiment le plus haut de la zone généralement et faire un tour d'horizon qu'on appelle point d'aigle. Vous habituez à Assassin's Creed. Je ne peux pas monter, bah, si c'est... Il y a encore un autre coffre, génial. Ils sont big, hein. C'est big à quoi. Alors, je sais pas trop pourquoi il y a un coffre à ce niveau-là, parce que je vois pas qui pourrait arriver jusqu'au toit pour. Enfin bref. Pour faire un saut de la foi qu'on a fait tout à l'heure, là, il faut d'abord arriver à un point d'aigle et synchroniser la zone qui va nous permettre de révéler la carte. Parce que si vous regardez, si je fais ça, attendez, ça fait quoi? Ça fait la carte, voilà. Vous voyez que cette zone n'est pas encore affichée. Et quand j'aurai le faisceau de la foi, ça va révéler des objets et des tas de trucs sur la carte. En haut, et on se synchronise avec... Voilà. C'est grand, hein. C'est pas très grand, hein, franchement.
pour l'instant, on n'est pas en Paris, en fait. C'est ça qui est ouf. Direction, alors, on va pas faire un truc à fond. Je vais m'atteindre pas la gueule, parce que là, je vais descendre par fond. Ah non, c'est là. Ça a marché. Yes. Bien sûr, mes chers amis gamers, je vais vous dire à la prochaine. Et je pense que la prochaine fois, je serai au point d'inspiration. D'ailleurs, je suis là. Sur ce, mes chers amis gamers, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.